à Israël. 7. À quel endroit se trouve la terre promise à Israël? C'est Canara. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Deuxième question. Dans quel livre de la Bible se trouvent les disciples de Jésus qui ont commencé à être persécutés? Dans quel livre de la Bible se trouvent les disciples de Jésus qui ont commencé à être persécutés? Chronomètre. Luc. Deuxième réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. John Lee. Dans quel livre de la Bible se trouve l'histoire du prophète Élie? Dans quel livre de la Bible se trouve l'histoire du prophète Élie? Ça se trouve dans Roi. Lequel roi? Oh, il y a le roi. On peut dire le verset aussi? Non. Quel roi? Il y a deux livres. Deux rois. Ah, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Mauvaise réponse. C'est dans un roi. Ah, ok. Deuxième question. Numéro 12. Qui a remplacé Judas après sa trahison? Qui a remplacé Judas après sa trahison? Chronomètre. C'était Matthias. Bonne réponse. Applaudis. Cinq. À quel endroit Jésus s'est-il fait crucifier? Golgotha. Bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la signification du nom Abraham? Père d'une multitude. Père d'une nation. Bonne réponse. Combien de livres ont été écrits par Paul? 13. 16. Combien de livres ont été écrits par Paul? 16. Question 16. 13 livres. Deuxième réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Annulée. C'était combien? C'était pas. On va donner la. Ah, est-ce que le public peut prendre une décision? Est-ce qu'on lui donne la réponse? On lui donne la question? C'est 13? Ok. Donc, 13, on accepte 13 comme bonne réponse. Félicitations. De Philippiens a-t-elle adressé? Aux Juifs urbains. À qui la lettre de Philippiens a-t-elle été adressée? Soit aux Juifs urbains ou aux Grecs? Aux Philippiens? Annulé. Est-ce que c'est la bonne réponse? Qu'il a été de répondre?
Parce qu'il a, il a bien la bonne réponse. Est-ce qu'il a... La réponse est bien les Philippiens. Les Philippiens. De Philippe. Donc les Philippiens. Est-ce que, on, est-ce que c'est... On, il n'y a pas de moitié. Malheureusement. Question 2. Dans quel livre de la Bible David fut couronné roi d'Israël? De Samuel. Bravo, c'est une bonne Bravo, réponse. Bravo, bonne réponse. Comment s'appelait-il le frère de Moïse? Aaron. Bonne réponse. Félicitations. Donc, on applaudit nos participants. J-E. C-L-A. J-E-C-L-A. Pasteur musique, pause musicale. Avant le prochain concours.